Moi, c'est Rachel, Loé de Saint-Étienne. Oui. J'aimerais savoir pour quelles raisons vous partez à Lourdes. Quel désir dans le cœur vous avez, vous portez? Lourdes, c'est un endroit franchement que j'ai toujours désiré y aller. Et cette année, pendant 2 ans, il y a eu le Covid et du coup, je n'avais pas eu l'opportunité de le faire. Cette année, dès que j'ai entendu, j'ai vu sur le site qu'il y avait le pèlerinage à Lourdes, j'ai dit ok, cette fois-ci, il faut que je saisisse l'occasion. Et j'aimerais aller sur place et surtout me confier par rapport à mes problèmes familiaux et mes problèmes de santé qui me tracassent en ce moment. Merci. Bonjour, je suis Nadia Borda, je viens de la commune de Mordant-en-Forêt. Je fais partie d'un groupe de fraternité. Et lors d'une messe, j'ai acheté mon ticket de tombola. Et mon ticket de tombola a été gagnant. C'est Bernadette Fontimpe, qui fait partie de mon groupe de fraternité, qui est hospitalière, et qui m'a appelé pour me dire « j'ai gagné mon voyage il y a 3 ans ». Donc pendant ces 3 ans, je n'ai pas pu partir pour des raisons déjà de Covid. L'année dernière, il y avait le bac et beaucoup de décès. Je ne vais pas vous citer 18 décès, dont ma maman et ma belle-mère. Voilà. Donc j'espère que pour moi, ça va faire quelque chose de bien de partir à Lourdes en tant que femme. Marie-Thérèse. Hein? Alors, est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous êtes venue à Lourdes? Je suis venue à Lourdes parce que j'ai gagné un voyage, mais ce n'est pas la raison principale, parce qu'on voulait déjà revenir. On était venu il y a 50 ans et j'avais 18 ans la première fois. Et voilà. Et quand vous dites « on », avec mon mari. Avec mon mari. Et il y a 2 ans, on devait venir et puis à cause de la Covid, on n'a pas pu. Et maintenant, il est malade. Voilà. Donc il n'est pas venu avec vous du coup. Il n'a pas pu venir. Alors. Et ça me manque beaucoup. D'accord. Et qu'est-ce que vous portez dans le cœur du coup en ce début de pèlerinage? Moi je porte déjà tous les miens. J'ai une petite fille qui est handicapée. Donc je pense beaucoup à elle. Et puis tous les malades. Bon. Vous avez fait mon voyage? Ah oui, super. On était bien. Ah, oui, le voyage. Ça ne m'a pas duré, hein. C'est drôle, hein, parce que c'est long quand même. Mais comme il y a eu beaucoup d'arrêts, on était bien. Voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jocelyne. Pour quelle raison vous avez souhaité participer à ce pèlerinage? Je voudrais faire découvrir à mon mari. J'étais déjà allée la première fois en 2017. Ça s'est bien passé. C'était pour rendre hommage à ma mère. Et là, je voulais faire découvrir mon mari en fait. Alors, il est où votre mari? Il est là à côté de moi. Bonjour. Ah, enchanté. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Patrick. Bon, alors quelle chance, vous allez découvrir Lourdes. Exactement. Grâce à votre épouse. Oui. Voilà, vous portez quoi dans le cœur pour vivre ce pèlerinage? Ah ben dans le cœur, moi j'accompagne ma femme et puis en même temps je m'investis dans le chemin de Dieu. Merci, vous êtes radieux. Merci beaucoup. Bon pèlerinage à vous deux. Merci beaucoup.